damals. Mesdames et messieurs, voici un garçon qui sort du festival Massa. Il est humoriste professionnel reconnu d'utilité publique. Veuillez accueillir Changa Chunganya, de nationalité congolaise. Banama Libanda, le député du peuple. Bonsoir Cameroun. Est-ce qu'il y a les femmes dans la salle? Je veux le bruit. Voilà, je vais vous faire un cadeau aujourd'hui à toutes les femmes. Je suis de passage au Cameroun pour battre campagne ici. Et comme tout député, j'ai aussi mon slogan de campagne. Quand je dis eh, les femmes répondent ma manangaï, Alingala, ma mère à moi. On peut essayer? Eh, eh, là-bas, eh, voilà, je suis venu au Cameroun battre campagne parce que le Cameroun et la RDC, c'est la même chose. Quand vous marchez au Cameroun partout, vous marchez en RDC partout, si jamais vous voyez une maison qui était sale, 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 un matin, la famille a décidé de laver jusqu'à mettre la peinture. Il y a des là-bas. Est-ce que ça va? Les Douala et les Congolais sont pareils. Si un Congolais ne dépense pas tout son argent pour aller en Belgique, même à pied, il va arriver à Bruxelles. Également, si dans une famille Douala, il n'y a pas un Benguetel dedans, je vous le jure, parce que un Bamileke n'a pas encore acheté les terrains. Est-ce que je mens? Voilà, je vous le jure, les Congolais et les Camerounais sont pareils. Quand quelqu'un mange la banane, il finit, il balance les bêtises. Il boit sa bière, il part dans le mur des voisins, il balance les bêtises. Tu tentes de lui dire, monsieur, on ne fait pas ça. Il te regarde. Mouf! C'est le mur de ta maman. Est-ce que je mens? Voilà, les filles congolaises et camerounaises sont pareilles. Moi, je suis passé par l'Italie, tu dragues une fille. Au premier rendez-vous, vous partez au restaurant, tu lui donnes à manger. Au moment de séparation, un petit décalé, ça marche, non? En France, tu dragues une fille française. Au premier rendez-vous, elle vient. Tu l'amènes au cinéma, au spectacle de Changa Chunganya. Au moment de séparation, le petit câlin, c'est bon. Au Cameroun, alors, mes frères, tu dragues une fille. Au premier rendez-vous, elle vient, tu dragues encore. Au deuxième rendez-vous, elle vient, tu dragues encore. Au quatrième rendez-vous, elle vient, tu dragues encore. Jusqu'à ce qu'elle soit courageuse, elle dit à sa copine, « Marco, accompagne-moi chez mon dragueur. » Même les mamans sont dedans. Tu vois une maman qui dit à sa fille, « Mon mari m'a dragué 10 ans, 10 ans, 10 ans. » C'est comme ça, Jacob m'a fait loger quelque part. Le mari s'appelle 500 gigas, la femme 32 gigas. La femme demande à son mari, « Donnez-moi 6800 pour le pan de 8 mars. » Son mari lui regarde. Il dit, « Mais c'est devenu quoi même, non? Tous les jours, tu me demandes l'argent, l'argent, l'argent. Je suis ton père. » Je voulais juste la réponse, c'était tic-tac, tic-tac. Sa femme lui répond, « Ah, tu n'es pas mon père, hein, tu n'es pas mon père, hein, mais le loup que tu t'es, c'est moi ta maman. » Voilà maintenant, bizarrement, dans leur contrat de mariage, c'était écrit, si l'homme rentre à 18h, il aura 18 gifs. À 19h, il aura 19 gifs. Sa femme dit, je ne veux pas les retards chez moi. L'homme d'autrui, l'embouteillage le récupère, il vient chez lui. À 19h, sa femme lui balance 19 gifs. À 20h, l'embouteillage le récupère. Il rentre chez lui, sa femme lui balance 20 gifs. L'autre jour maintenant, les gars étaient avec le vacataire. Vous connaissez le vacataire, non? C'est le gars qui remplace le titulaire. L'homme était avec son titulaire et son vacataire. 21h sonne. Sa vacatrice dit, mais monsieur, il est 21h, rentre chez toi. Le monsieur dit que, mais rentre chez moi 21h, 21 gifleurs, je ne rentrerai pas. 22h sonne, 23h sonne, minuit sonne, zap, le gars prend la moto et part chez lui. Sa femme l'attendait avec le pilon. Il dit, merde, tu rentres chez qui à minuit? Aujourd'hui, ce n'est pas les gifles, je vais te casser la gueule avec le pilon. L'homme dit, mais le contrat, c'est le contrat. Regardez la montre, il est 0h. Je vous invite au combat à l'RDC. Si vous arrivez à l'RDC, vous voyez le pilon qui marche normalement.
Monsieur appelait l'ambulance. Le gars là est malade. Le Congolais ne marche pas. Le Congolais ne marche comme ça. Après avoir s'affilé, le gars démarche. Vous êtes à vous.